Ah, Le soir tard chaud. Le soir tard chaud, c'est maintenant TSO Radio. La suite de l'émission, il est 20h. Oh, oh, déjà ça sent. Juste avant les infos. Les infos. Je sens pas les infos. Qu'est-ce qui se passe? Il galère avec son masque. Ah, notre président préféré a perdu son masque. Voilà, voilà. Mais allez. Ça, c'est quelque chose que j'espère dans quelques temps, nous n'aurons plus à nous soucier. Mais oui, bien sûr. Peut-être fin juin. Peut-être fin juin. Ou pas. Après, le couvre-feu sera terminé. Je rappelle que monsieur le président a dit il y a 2-3 jours que la fin du masque à l'extérieur, mais pas pour tout le monde. Lequel? Encore une fois. Le président. Ah, bah le vrai. Le vrai. Enfin, le vrai. Le... Nous sommes sur la séquence de Sébastien qui essaye de remettre son nez à celui-ci. Mais trop mal. Est-ce que tu vas réussir à remettre la boucle? On va faire des 10 minutes sur ça. C'est pas comme ça. Ah, je pense. Ah, c'est pas comme ça. Bon, bloque le nœud. Bloque. Fais pas ça. Fais pas ça. Mets pas tes doigts dans mon nez. Attends. Pardon, c'est le générique de. Fais pas ça. Mes amis, nous allons jouer. Oh, on va pas jouer. On va écouter le fameux billet d'humeur. Et comme j'ai été peu créatif, pendant ma préparation d'émission, j'étais pas dans le truc. Je vous ai préparé un type de billet d'humeur assez spécial qu'on appelle les off. Ouais. Les off de l'émission. Ouais. De. Voilà. De... Les off de l'émission. J'ai été chercher. J'ai été fouillé. Et là tu vois nos têtes. Les off à nous. Ça fait plus de. On a commencé le 26 avril, je crois, ça fait un mois et demi qu'on est au taquet, un petit mois et demi. Ouais. J'ai enfin des off dans l'émission. Merde. Voilà. On va faire gaffe à ce qu'on dit maintenant. Hein. Est-ce que tu peux appuyer justement sur le bouton off maintenant? Oui, je vais même appuyer sur le bouton on afin que nous écoutions tous ensemble ce que j'ai à vous faire écouter. Alors, bon, je vous ai. Regarde les têtes, les toutes les têtes, merde. Non, j'ai été soft pour la première. Ah, parce que. Ah, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. On fera soft avec vous. J'ai été drôle. Enfin, vous avez été drôle. C'est vous en fait que j'ai écouté. Mais moi aussi, je me suis un peu inclus dedans, hein, parce que des fois, j'en dis. Est-ce que t'as pris du plaisir à nous réécouter? Ouais. Ah ouais, beaucoup de plaisir. Énormément. En fait, j'ai sélectionné des choses qui sur le coup m'a fait rire. Je dis putain, on a dit ça. Par exemple, Sébastien. Sébastien. Ah, chacun son tour. Le masque. Oui, mais moi ça valait plus vite. Hein. C'est l'histoire de ma vie. Hein. C'est moi, jamais l'ensemble. Ah, bah oui, mais. Alors, entre moi qui perds le masque, Nivek qui lance la pub. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je vais la replacer. Attendez, je vous la remets dans le coin. Voilà, c'est parti. Nivek, fait sa vie en fait. Sébastien. Toi, t'as niqué. Alors, Stéphane. Comment il s'appelle? C'est vrai qu'il est jamais là aussi. Le mec, il en a tête parce qu'il faut savoir que Stéphane, il fait pas grand chose, mais il participe quand même grandement à la réalisation des vidéos après que vous voyez sur YouTube et sur Facebook. Mais du coup, il nous réécoute et il nous entend dire des choses sur lui quand il est pas là. C'est peut-être pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Dis donc, pourquoi tu te moques de moi? On m'entend dans le micro. Sébastien, quand il a des envies de chansons anciennes et qui veut nous ambiancer, faut que ça lance. Hein. C'est dans les off ça. Oh, chier. Non, c'est pas ça. J'ai une envie de chier. Ah, moi chier. J'ai perdu la tête depuis que j'ai. C'est tout? Oui, c'est parce que j'ai. Pourtant, c'est marqué, hein, sur ma feuille, c'est marqué Seb, j'ai perdu la tête depuis, virgule, j'ai envie de chier, mais j'ai oublié de le dire. J'avais oublié que tu commençais comme ça. Chier. Non, bah, chier, ouais. Bon. J'ai une envie de chier. Evis. Fais pas chier. Pas chier, ne fais pas chier. Ah, j'ai perdu la tête. Depuis que j'ai. Et après j'ai dû couper parce que j'ai pas réussi à voir la suite. Mais du coup, je suis là pour faire la suite. Depuis que j'ai vu Suzette. Mais c'est le festival. Hein. Oh la vache. Hélène, qui nous parle de ses soirées en off, ça donne ça. Il y en a qui font des soirées SM, moi c'est soirée MST. Écoutez. Je vous mets le long. Ah, tu.
J'espère qu'il écoutera pas, hein, celle-là. Chacun sait pour rien. Et là, je suis tombé sur une discussion entre toi et moi où on parle caca. Ah bon? Non, vas-y, écoute, on va redémarrer aussitôt, là, faut qu'on enchaîne, j'ai envie de faire caca. Je vais contre ça. Non, mais moi, je me retiens depuis 8h du mat, c'est horrible. Ah bah, ouais, c'est pas rien. Je vais regarder. Excuse-moi. C'est quoi l'interjet sur Tony? Yves, j'étais là. Tu me fais chier. Parce que des fois j'ai des passages, hein. J'avais un œil. Et moi je posais des questions, mais. Tiens, allez. Allez, je me rassois, j'étais là, tu sais. Et il m'a regardé. C'est ça qui. Je prenais de l'importance parce qu'il m'a regardé en plus. Ah, je suis parti tout seul. Alors en étant avec Brian. Qu'ils font de merde, quoi. Brian Moreau, qui venait donc du coup défendre le. Enfin, défendre. La lutte contre le cancer, parce que c'est comme ça qu'il aide les gens en aidant justement les gens qui sont atteints de cette maladie. Mais nous, même pendant les off, on préfère parler. J'ai oublié. On avait une transition spéciale entre le cancer. Va redémarrer sur une séquence. Q-cancer, ok. Parce que juste avant, dans les off, on avait vraiment parlé de Q. J'ai mal étudié le conducteur. Là. J'ai très mal étudié le. Sinon, le... t'es content d'être là, Brian. Puis ça va. Histoire de merde. Et là, on est sur Stéphane. Stéphane qui, après le jeu de la thérapie, il savait pas ce qu'il avait dans la bouche. Ça t'intéresse pas à nous. Toi, tu mets des choses dans la bouche, t'as regardé ce que tu mets dans la bouche, quoi. Un stylo. C'est pas un stylo commun. Un stylo commun. Faut savoir que c'était un stylo TSE sur radio. Parce que le gars il regarde, il fait oh, c'est écrit TSE sur radio. D'accord. Il s'intéresse pas à nous. Et Vince. Vince, on lui a demandé de tenir un rôle pendant une demi-heure, le rôle de la timpe, avec Vicky. Et il le fait jusqu'au bout sans aucun problème. Et c'est un off, hein, c'est pas à l'antenne, hein, c'est pour ça que c'est, ça a son importance. Le soir t'as chaud. Ouais, c'est parti, mon kiki. Qui c'est qui nous a assis? Il est là, notre stabilo. Il va tenir le rôle jusqu'au bout. Ah putain, et là on a le Sébastien, de temps en temps, il rote. Amoxicilline. On relance la machine. On relance la machine. On relance la machine. J'ai isolé l'euro. Appétissant. Mais je pense qu'il y aura un autre off sur moi. Avec tout à l'heure. Alors l'équipe. Hop. Je vous l'avais dit, j'ai préparé mon truc, hein, c'est incroyable. Voilà. Ok, on écoute. Ça c'est rien. Donc ça, en réalité, c'est Vince qui appelle Stéphane le fantôme. Et on se fout de sa gueule jusqu'au bout après. Je la remets. Voilà, on cherche après Stéphane, le fantôme, hein. Et Vince l'appelle comme un chien. Ou un chat. Oui. Ça c'est pour les bruits de l'esprit, hein, de. Bon. J'ai envie de chier. On m'entend là? On m'entend? Ouais. Bah pourtant je parle fort. C'est à chaque fois, tu sais. On m'entend? Oui, bon c'est bon, j'arrête de parler. Moi je comprends pas, je parle fort. Je peux parler Ghost Rocky 166. Il l'a pas ramené, c'est tout le monde taille, tout le monde le taille. Et le reniflement du président. C'est là. Alors, attendez, oui, là. Non, c'est pas vrai, c'est mort, non. Déjà, tendez l'oreille sur la conversation entre Laura et Hélène, mais on n'en dira pas plus. Et ensuite, écoutez le président, qui préfère se renifler. C'est là. Heureusement qu'il se renifle. En rentrant. Voilà, vous avez compris? On va s'arrêter là-dessus. Ouais, en rentrant. Voilà, donc ça restera pour nous, hein. Ça ne fera rire que nous, hein. En rentrant. Et Sébastien, qui avec notre invité Laurent Denimal, le président de la pétanque Guizard, qui s'inquiète, il s'inquiète beaucoup, hein, sur ses peurs de la séquence qui arrive, hein, sur la boule molle. Il faut que je sorte la boule molle, mais pas la bite molle. Hein. Parce que tu penses que tu vas dire un bite molle? Bah, c'est possible. Hein. Et apparemment, moi qui avais envie de sauter Laura. Je te sauterai. la voix sensuelle. Ah ouais, mais si je saute tout le monde, il n'y a plus personne. Et ça, vous l'avez vu circuler en TikTok, on l'a mis, mais là, vous avez la version intégrale de l'auteur qui a fait vriller toute l'équipe sur un Claude François. On écoute.
Vince. Le chalan. J'attends ton skull. Tu ne te réveilles pas. On enchaîne. Comme d'habitude. Sur toi, je remonte le bras. Tu te rends compte que comment on est chaud à 1h25 la courbe du téléphone. Maman, caresse tes cheveux, presque malgré moi. J'allais sur la comme d'habitude. Ouais, ils sont que trois à chanter. Hein. Mais toi, et nous on est impatients. Royal ou comme d'habitude. Ouais, t'es parti chez moi. Ça va accélérer. Comme d'habitude, toute la journée. Non, même pas. Je vais jouer à faire semblant. Sur un off parce que c'est mais pendant la préparation de l'émission. Tu remarqueras quand même qu'on chante mieux en off quand que quand on chante. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est grave, quoi. Et donc, vous allez découvrir le président quand il prépare son émission, mais chez lui. Je ou... prends cher, quoi. Voilà, voilà. Off là. Ah ouais. Mais c'est même pas l'heure de l'émission, ça. Si, c'est quand tu prépares l'émission. J'entendais les clics là derrière. Attention là. Le yaourt. Mais t'es plein de yaourt. Mexico. Ah ouais, Mexico. Allez, l'ambiance là. Ah, il tient encore, il tient. Qui c'est qui souffle derrière, c'est toi? C'est on dirait l'alarme. Pauvre Hélène qui a d'habitude un enfant depuis peu. Ah non, on a deux. Si mes voisins m'écoutent, je suis désolée. C'était lui. C'était pas l'alarme. L'alarme quand c'est la guerre, l'alarme. Ah oui, oui, oui. Pour prévenir. Okay. Godin fait la même. Godin fait la même. Bon, c'était soft, les off. Ouais, c'était soft. Mais j'ai peur pour les prochains. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'ils ne savent pas quand c'est enregistré. Ils ne savent pas si ça continue d'enregistrer, si j'ai arrêté. Puis des fois, je. Je n'arrête pas volontairement, on ne sait jamais, il y a des choses qui peuvent sortir. Hein. C'était mon billet d'humeur, on va se retrouver dans quelques instants juste après les infos pour les franglaises avec Vince qui a préparé ses franglaises. Hein. Et on sait que c'est assez bon dans l'exercice. Hein. Oh, oui. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.